Bonjour et bienvenue à vous. Match international au programme. Je vois que Franck Sauzet est bien installé. Il a sa petite couverture. On va bientôt pouvoir commencer. Un match qui s'annonce plutôt serré, non ? Ah, c'est même l'archétype du match nul pour moi. Hein. Deux équipes très proches l'une de l'autre, on le sait. Non, je ne ferai pas de pronostic plus précis. Et pour arbitrer cette rencontre, Monsieur Gökberk Topaloglu. Qui engage Gérard qui donne un bon ballon avec Gérard le bon ballon. Oh, quelle occasion! Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas fini. Ballon pour Steven Gerrard. Ah, ça passe qu'il sort en touche finalement. Sébastien Larsson. Ah, ça peut être dangereux, il est bien lancé. Le centre. Ah, il repousse le danger. Ah, bonne intervention de la défense là. Scott Parker. Milner. Daniel Beck. Ouais, c'est bien parce qu'il y avait danger. Rosenberg. Kim Karlström. Un centre. Alors je peux signaler, mais ça doit être vraiment limite. Il trouve son partenaire. Oh, il y a du monde pour l'Europe. Oh oui, le gardien qui s'envole, c'est maléfique. Ouais, il avait bien senti les intentions d'Ashley Cole là, sur cette passe. Oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça n'ira pas plus loin, hors jeu. Ashley Young, Sébastien Larsson, Mikael Lustig. Ouais, c'est bien donné ça. On voit ce but là de Karlström sur le ralenti. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Danny Welbeck. Gérard. Et choisissent de jouer sur le côté. On repasse par Gérard. Ashley Cole. Avec Gérard. On ne présente plus ses qualités de passeur. Il est capable de donner le ballon où il veut, depuis à peu près n'importe quelle position. Pour Ibrahimovic. Ah, ça c'est bien cette talonnade. Il y a quand même un sacré jeu collectif dans cette équipe, ça circule très bien. Ouais, ça circulait bien, mais finalement c'est intercepté. Gain Johnson. Gerrard. Ouais, ça c'est un ballon intéressant. Attention, pas commettre de faute. Et
ce ballon est perdu. Karlström. Et ça continue. Oh là là, de justesse, il a été repris. Danny Welbeck. Pour Steven Gerrard. Ballon perdu. Sebastian Larsson. Michael Lustig. Karlström. Hasenberg. Avec Gerrard. Scott Parker. Danny Welbeck. Ashley Young. Milner. On cherche l'ouverture. Ah non, non, ça n'ira pas plus loin. John Terry se fait prendre par une interception. L'Euro qui reste une compétition récente, qui a connu beaucoup de changements dans son organisation. C'est vrai qu'il y a eu longtemps un seul tour, puis deux. Le format des éliminatoires a parfois changé lui aussi. Et depuis quelques années, il est souvent organisé dans deux pays à la fois, comme cette année. La touche pour l'équipe de Suède. Kim Karlström. Dans la défense. Oh, il la récupère. Il prend, ça va être dedans. Ouais, deux buts à rien, il domine les débats. Danny Welbeck. Steven Gerrard. Gain Johnson. Superbe passe, attention. Oh, que ça circule bien, c'est beau. Allez, il va falloir faire attention au marquage sur cette remise en jeu de l'Angleterre. Et Ibrahimovic. À l'interception. Et il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Sebastian Larsson. L'arbitre qui siffle la fin de 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Premier ballon de cette seconde période pour les Suédois qui gèrent plutôt bien le match pour l'instant. Kim Karlström. Oh, quel beau ballon! Très dangereux ce ballon qui se balade. Et le ballon qui est perdu. Attention, ils peuvent la récupérer. Scott Parker. Ashley Cole.
Scott Parker. Ballon pour Steven Gerrard. Ashley Cole. Scott Parker. Ça peut être dangereux. Ah, attention, la frappe. Ah, les joueurs anglais qui marquent. Et ils prennent les devants. Le score qui est de 2-1. Ibrahimovic. Ils vont tenter de passer par les côtés. Michael Lustig. Il va devoir protéger son ballon. Ashley Young. Gain Johnson. La touche pour l'Angleterre. Ashley Young. Scott Parker. Allez, les Anglais pour la remise en jeu. Là, je crois qu'il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Et la passe qui a donné une bonne situation de jeu. Attention, danger. Ah oui, la belle passe. Scott Parker. Ah oui, bien vu la passe. Peut-être le but. Le gardien qui repousse. Ce serait une touche pour l'Angleterre. Et il centre. Ouais, bonne défense finalement. Bon, c'est contré volontairement par l'arbitre. Rosenberg. Bon, belle passe et du talon. Voilà ce que j'appelle une bonne couverture défensive. Gain Johnson. Un ballon perdu. Bon jaillissement sur cette passe. Il y a main et l'arbitre l'a vu. Ça s'agite sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Ouais, ça peut peut-être aller au bout. Corner pour l'Angleterre. Ouais, c'est repris par Cole. Gain Johnson. Ouais, ça circule bien. Il laisse l'avantage, le centre. Bien centré. Dans ce centre qui ne donne rien finalement. Bonne interception. Kim Kallström. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Oh, c'est parti. But pour la Suède. Ce but, il conforte un petit peu plus leur avance. Et le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Kevin Delbecq. Christian Larsson. Melberg. Lundqvist.
Allez, il va peut-être pouvoir repiquer au centre avec cette interception. Corner, dit l'arbitre. Ah, c'est sans danger pour la défense, hein, le corner. Et l'entraîneur qui change son dispositif tactique en même temps ce qu'il a le choix. Si on voit mal comment son équipe pourrait revenir au score, là, ne changeant rien. On va voir tout de suite si c'est payant. Le ballon qui est sorti, c'est une touche pour la Suède. Clairement, l'entraîneur n'a qu'une idée en tête. Préserver ce résultat favorable, d'où ce changement tactique. Bayrami. Avec Zlatan Ibrahimovic. Admirez la technique. Oh, passe déterminante peut-être, on n'est pas loin des buts. Attention, le défenseur est passé au travers. Une touche peut-être. Ah, dommage, c'est intercepté. Ashley Cole. Théo Walcott. Rosenberg. Oui, il la donne. On tape le Ashley Cole. Ce sera finalement une touche à tout près, vraiment tout près du poteau de corner. Ouais, changement normal après tout, on se passe à autre par le jeu. Il est sur la trajectoire. Ah non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Non, le gardien ne voulait pas s'incliner encore une seconde fois face à lui. Là, c'est pas possible. Clemson. Bon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter? Ce sera donc un corner. Corner gâché, vraiment un ballon rendu à l'adversaire directement. Faute, faute et coup franc, ça peut être dangereux. C'est pas très malin hein, ce coup franc en cette fin de match. Et c'est sûr. Ouais, les joueurs suédois qui viennent de marquer. On sent vraiment le spécialiste. Ah, il a parfaitement joué avec le placement du mur et avec le placement du gardien. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Downing. Gain Johnson. Ah oui, la talonnade. Et cette partie qui s'achève donc sur ce coup de sifflet final et sur ce score de 4 buts à 1. À ce match amical qui se termine donc sur cette superbe victoire. Ils étaient trop forts. Rien à dire en effet. Leur supériorité était flagrante dans quasiment tous les compartiments du jeu. Le score est logique. Et il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci à tous. Salut.